Si j'active le micro, ce sera plus efficace. J'ai l'impression que mon téléphone a buggé. Bon. Bonjour à toutes et toutes, pardon. Déjà ce matin, je ne suis pas sûr de vous avoir salué dans l'ensemble, excusez-moi. Dans l'idée de faire les foufous avec les copains d'un bord de mer. Puis je sais pas, j'ai eu un faux départ du PC. Je sais pas, il m'a fait n'importe quoi. Donc normalement, j'ai tout remis en ordre. Vous voyez ma tronche. J'ai remis la webcam qui était pas là ce matin. Bonjour Pascal, comment que ça va? Coucou. Depuis deux Merci à mois, toi le d'être monde là. entier a Là. les yeux. Ah oui, il faut que j'entre dans le menu pour rebasculer en plein écran parce que. Très bien, c'est cool. Ibi. Ah oui, même la fenêtre elle est décalée. Oh là, c'est bizarre. Bon, ça va être vite résolu le souci de la fenêtre mal. La fenêtre de jeu, on va dire un peu sauvage. Puisqu'il faut que je fasse ça. Partir de là, je vais pouvoir continuer le contenu additionnel qui est la borne infernale de Elred. Tu fais un masque? Ah oui, un masque. Ouais, d'accord, de. Comment on dit? De. Oui, soin du visage. Oh mon Dieu, tu me rappelles mon adolescence. Parce que j'avais une. Moi j'avais des boutons bien gras dans la tronche. Et ma maman me disait, mais fiston, va te faire un masque d'argile. Et le machin qui en séchant te tire tout. Oh. En fait, dans l'univers Marvel, fut un temps, Clayface, hein, face d'argile, c'était moi. Alors attends. Il y en a un, je reviens dans le monde normal, je crois. Et l'autre, je continue en enfer. Lancer une quête histoire. Ah non! Lancer le mode raid. Et si je vais là, il se passe quoi? Ah, les armes sont décoratives. D'accord. Ah oui, non, je suis là pour revenir au jeu normal. Ah, pas encore aujourd'hui, je vais encore faire un peu du raid de Infernal. Et la prochaine fois que je referai le jeu, je pense que je reviendrai aux quêtes normales. Alors, on y va. Biactol, lui aussi, ouais. But strong enough to bring about your demise. Oula. Bah là tu vois que je fais un contenu additionnel de Dying Light, qui est le médiéval magique, la borne infernale Hellraid, hein, le raid de l'enfer. Tout à l'heure, je vais me faire un petit peu de vroom vroom, tôle froissée. On va dire l'ancêtre de Warkfest dans la lignée d'un Destruction Derby. Je vais faire Flat Out 2, mais je vais le continuer en solo, parce que je le fais aussi en multi avec les copains. Et derrière ça, je vais enchaîner avec la suite de, bah, toujours dans un univers médiéval magique, Arx Fatalis tout à l'heure. Et puis je ferai peut-être un quatrième jeu, parce que je suis avec vous jusqu'à 20h. Là, je fais 6h30 de jeu sur mon antenne. Sans discontinuer, l'après-midi, totale détente. Voili, voilou, Pascal, tu sais tout. Ouch. C'est bizarre la texture. On aurait cru que c'était chauffé à blanc et que ça sortait de la forge, le manche. Que j'allais me brûler en m'en saisissant. Alors, c'est le calme avant la tempête, hein. Parce que quand il y a un ennemi invoqué par la magie du démon qui va commencer à se confronter à moi, ça va devenir le gros boxon de gémissement, de flash dans la tronche. Voilà.
Voilà, même la voix me le dit. Préparez-vous, on vous en prend plein la tronche. Et c'est parti. Merde, je l'ai lancé trop près. Alors le sanctuaire, je l'utilise. Oh merde, non pas lui. Ah, il est chiant lui. Oh, violence. Et j'ai déjà plus d'endurance. Voilà, le jeu m'en demande trop. Mieux qu'il est parti pour le voir à revers. Oups, que je vois une potion. Potion. Au. Comment tu m'as paré le village. Ah, voilà, décapitation. C'est pas facile de bien placer la lame pour les décapiter. C'est fou le nombre de fois où il faut faire sauter leur tête comme des bouchons de champagne. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous vouliez de la violence, là voilà. Oh. Mais franchement, qu'est-ce que ça me fait penser à un Diablo vu à la première personne. Un saut maléfique qui a sauté. Et eux, ils sont sur. Oh la vache, j'en ai trop dans le dos. Aïe! Hop, 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 on se calme. Putain, mais ils vont me coûter trop cher en potion de vie. Mais merde, mon arme est brisée. Arme suivante. Non, non, je suis mal engagé dans la rue. Aïe! Il m'a fait mal avec sa hallebarde, le. Salopard! Il vient mourir, toi! Oula! Ouf. Aïe! Ouais, il vise bien, eh oh! Va mourir, squelette démon! Là. Bon, c'est bon, j'ai droit à une pause. Ah non. Non, non, non. Haha, j'ai esquivé. Non, je suis au corps à corps, il m'a touché. Message de Torota. 77. Tu es toujours sur Borderland. Alors, merci de ton avertissement, mais pour moi, mon interface de contrôle me dit que je suis bien déclaré en Dying Light. Fais voir un rafraîchissement de ton côté F5, s'il te plaît, Torota. Ou alors, ça veut dire que mon interface de contrôle est foireuse, ce qui est pas une bonne nouvelle. Je préférerais que tu me dises que c'est toi qui as ton interface qui est pas à jour, que moi. Mais c'est bien d'être vigilant. Ça, et puis mon horloge dans mon habillage de chaîne. Sur Twitch, ok, mais ta bannière n'a pas changé. Ah, ça va se faire dans 10 minutes. Ouais, il y a un décalage de 10 minutes. C'est moi qui l'avais programmé comme ça. Mais bonne remarque. C'est moi qui l'avais programmé comme ça, en fait. C'est pour éviter de solliciter trop les services réseau. Parce que le nom du jeu... Mon programme va le chercher sur Wisebot. Et Wisebot, vaut mieux le ménager. Faut pas trop lui en demander. C'est totalement arbitraire de ma part, mais j'ai préféré programmer mon interface comme ça. Non, l'essentiel, c'est que sur Twitch, officiellement, ma catégorie soit la bonne de déclarer. Parce qu'il peut y avoir sanction si on fait n'importe quoi. Mais après, mon habillage de chaîne, c'est autre chose. Il y a toujours 10 minutes entre la prise d'antenne et le fait que ça se mette à jour. Là, dans 2 minutes, il va se mettre au diapason. Mais bien vu, merci. Il n'y a pas des potions de vie qu'ils auraient laissées en cadeau, là, parce que j'en ai bu 3 à la suite, je crois. Je voudrais pas me retrouver à poil. Enfin, comprenez... Ouais, non. Ah, ça vient de changer, ok. Ouais. Merci, Torota. Ah.
Ah ouais, le fendoir, je dis pas non. Ah oui, faut que j'en passe une arme. J'en ai une de brisée. Il va falloir que je joue mon inventaire. Que je fasse le point. Ah, potion de soin, j'en ai ramassé une. Ouais, je m'attends toujours à avoir une fiole rouge modélisée, mais... Mais c'est vrai que ça peut prendre la forme d'un paquet quand il y a trop d'objets dans la scène de combat. Et du coup, on le distingue pas forcément. Non, c'est pas celle-là que j'aurais jeté comme un caca, c'est l'autre. Oui, celle-là est cassée. Et puis j'ai compris qu'ici, on pouvait pas réparer les armes. Donc autant l'acheter. Merde, j'ai mis une potion. Oh, qui est con. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Ouf. Ouais, je pense pas que je puisse l'améliorer. Hein. Ouais, non, y a pas. Ça, c'est propre en fait au jeu normal, pas à ce contenu additionnel excentrique. Donc attends, je sélectionne le truc et je dis que je veux là. Voilà. On continue. Potion d'endurance. Mmh. Ah si, ça se peut. Ah bah j'ai du bol, parce qu'en général les gros coffres c'est juste du décor et il n'y a pas d'interaction possible. Ah bah tiens. Petit coffre. La 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 la. Ah oui, c'est des vieux légumes dans le panier. J'ai eu un petit moment de doute qui aurait pu précéder un... Death and destruction. That's the fate of the world if we don't stop. Un effroi. Oui, la narration est... Ah, il y a une atmosphère de posée, c'est... J'ai du beau boulot, c'est beau. Le jeu de lumière est... Oh oh. Ah bah là, c'est dommage que j'ai pas de baril explosif. Ouais, c'est... Ah bah tiens. Il est pas au pied d'un baril explosif, lui. Ça. Voilà, j'ai gagné. J'avais vu juste. J'ai pas l'impression que ça leur fasse grand-chose. Ah, là, l'explosion de la tronche, j'ai dû faire strike quand même. Allez, viens te réchauffer un peu. Ah si, ils vont dans les flammes. Ils sont complètement masos. Ils ont perdu la raison. Violence, violence. Je veux pas me brûler, moi, j'attends que le feu s'éteigne. Attends, je vais sauter au-dessus du baril en bois. Ouf. Ah, potion. J'ai failli ne pas l'avoir. Il a failli m'échapper du regard. Du regard. Potion d'endurance. Potion de soin. Potion de taguette, soin. Ah. Ah oui, non, il y a un levier. Je me disais aussi. Ah, affronter l'horde d'ennemis. Ah oui, c'est pas comme si c'était 50 milliards. Ok, à mon avis, je vais crever plusieurs fois là. Ah
Oh là 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 là, non, je suis pas entré dans le truc. Parce que je filtre les entrées d'une certaine manière. La porte qui fait gouler des trous violents. Vous êtes sûr que mon arme est efficace là? J'ai du gros dos. Waouh! Eh, ça sonne creux! Non. Au! Oh, il y a des trucs à faire ça. Attends, si je peux me la péter avec mon arc. Ah ouais, je peux me la péter. Louis Thébault a dit arrobas everyone le tiré bassage tiré bas de tiré bas Nancy vient d'ouvrir son antenne. Ouais, retrouvez le sage dès maintenant sur sa chaîne Twitch, twitch.tv. 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 Oh yeah. Wow! Ta-ta-da. Go go gadget à l'arc, aux flèches logiques. Ah oui. Bon, il y a plus que ça. Mais oui, qu'il y a plus que ça. Donc, je m'avance un peu pour avoir. Ah, je fais rien, ce. Eh, oh, calme-toi, ça. Oh. Oh, wow. Ah non, pas lui. Il y a un mini-boss. Alors, attends. Les larbins, je les ébouille parce que le boss va me poser problème, mais vraiment. Ah merde, boum! Non, secours, je me fais déboîter. Oh la vache, tu ne lâches pas le salopard. Ah, il fait mal, au secours! Ah, vite potion! Dopage! Ah bah d'accord, mon arme est brisée. Ah, venez ici vous réchauffer. Voilà, lui il s'est calmé. Attends, lui... Ah non, ils sont pas cool non plus. Autant dire que j'ai deux mini-boss là. Quand je commence à courir. Oh! Oh le salopard! Comment il m'a harponné? Quand même. Je sais même plus comment je fais. Ah oui, c'est à la souris que je peux lancer une grenade. Normalement. Ou pas normalement. Ah, au secours! Non, je suis bloqué dans le décor! C'est dégueulasse. Mais comment je lance une grenade, bordelou, mais... Je devrais pouvoir lancer des grenades. Non? Bon, tant pis. Je suis obligé d'y aller au corps à corps. Ah! En fait, être au milieu de l'arène est une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, les objets te bloquent. Et les nitacules qui ont bien de patater dans un coin. Et t'es mort. Franchement, c'est ça. Il vaut mieux que je fasse le sac extérieur, là, le périph. Ah, je l'ai eu. Bon, un au moins. Putain, lui, il va être chiant. On dirait pas, hein, mais il est chiant, lui. C'est un malin. C'était. Ah oui, des cadeaux. Oh, ma jauge de stress qui descend d'un coup, là, vous avez pas idée. Il n'y a pas d'autres potions sur les côtés dans les armoires. Non, radin ce point. Ah ouais, j'ai l'impression qu'ils sont radins ce point. Tiens, l'arme a l'air d'être pas mal. Inventaire plein. Bon bah tant pis. J'avais une arme qui s'était brisée, c'est ça? Oui, celle-là. Alors attends, je vais l'acheter, elle. Merde. Comment pour jeter déjà? Je sais plus. Comment j'avais fait pour jeter mon arme tout à l'heure? Ah oui, c'est la touche là. Voilà, donc celle-là elle est pétée. Celle-là elle est là. Ah non, c'est de la merde.
Bah, tant pis. Je pense qu'il me tombe sous la main, littéralement. Ah. Alors, il y avait une salle cul-de-sac, je sais pas quoi. Il y avait possiblement un hôtel avec un le système de saut à briser, là. Oui, bah oui, il est au fond de la salle. C'est logique. Ah, dommage, la cave vide, j'ai cru que c'était une potion de soin. Je prends mes rêves pour des réalités. Ouais, des illusions. Des illusions. Ouais, flacon acide. Ah, bah tiens. Hop, potion de soin. Coffre à fouiller. Alors, mettre le bras zéro juste devant le meuble, c'est pas très fut-fut. Ça va vous voler mon avis. Ce n'est pas très fut-fut. J'ai envie de me décorer de l'ordre du café au lait. Oser m'attaquer dans le dos. Venez, bande de plus! Dans le même! Inventaire plein. Ah bah dommage. L'arme a l'air redoutable. Qui c'est qui me... Ah mais c'est les fameux archers les deux là. Enfin non les... Non je tire trop loin je crois. Vas-y voir que j'essaye de faire un sniper. Je sais pas si je les touche à cette distance. Ah, je passe au-dessus de leur tête, j'ai l'impression. Ah, j'en ai eu un. Ah, pas facile. J'ai du mal à voir. Alors vous, j'ai peur que vous puissiez pas voir. Mais l'impression de... Oh si, il a une flèche sur lui, là, qui s'est mise dans la... Alors, on va se calmer, là, les excités. Mais ils vont me tuer. C'est pas possible. Ils vont me tuer. Alors, mes armes. Bon, à part que j'ai plus de flèches. Oui, casse-moi. Oh non! Un super excité. Merde, j'ai loupé. Super bien, et oh, on va mourir. Les bras en croix. Oh non. Ah, ça va. J'avais peur que ce soit autre chose. Vous voir que je me fasse à l'arme là? Café le café. Café le café. Anat summoned her most faithful demon. Brace yourself. Vache. J'ai eu 96 jetons de monnaie. Je crois que c'est mon plus gros pactole en une seule fois. Alors la suite. Normalement j'ai fait sauter le saut. Attends, je vais prendre le bras d'explosif avec moi. Alors si j'ai pas de caca dans les yeux, la suite elle est là.
Ah, Mirum. Oh non! Je voulais balancer le truc par-dessus. Oh là là. J'aurais dû me douter qu'il y aurait un boîte de collision. Ouais. Un problème de boîte de collision, là, les headbox. Oh, la mort ridicule. J'avais tenu tête à mes ennemis jusqu'alors et je meurs comme un... Comme un caca. Voilà. On va pas se mentir. Je suis moulu comme un caca. Si mouche. Les flèches. Est-ce que je peux pas me les fabriquer, mes flèches? Oh, je suis nain. Attendez voir. J'ai pas le plan pour me faire les flèches. Ah oui, non, c'est comme... oui, non, c'est réservé. Ça aussi, c'est une mécanique de jeu qui est réservée au jeu normal, pas à cette extension. Ah, allez, venez, bande de... Hein, de trous nuniouf. Oh non, pas cela. Oh, puis en stéréo, j'en ai deux. Je vous déteste. Sachez-le. Ah! Chandelier qui est magnifique, qui s'est... Mais qui quoi donc que cache? Quelle est la question? This place holds many secrets. Seigneur, enferme bien des secrets. Les secrets de la laitière. Et c'est là où on trouve du lait dans une jarre. Oh, les instruments de torture. Donc, je suis en train de me dire, on a ça dans nos églises. On dirait presque un meuble religieux, mais... Ou alors c'est un trône de roi collectif. Vous mettez en brochette les quatre membres de la famille royale. Le roi, la reine, et sur les côtés, les gamins, là. Une fille, un garçon. Le cliché type de la famille modèle. Ah la 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 la. An art won't surrender without a fight. Bah oui. M'étonne bien que je vais avoir de la résistance. Et que des têtes vont tomber. Fais pas ton crâneur, toi. Ouch. Ah! Mais non, mais vous êtes trop nombreux, arrêtez! Voilà, ils m'ont pataté, les vilains. Oh, pas mal! Merde, Oum! Oh là 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 là! Oh merde! Il y a nous qui est de la partie. Il n'y a pas un baril d'explosif là. Si, il y en a un. Il faut voir que je prends quelque chose. Si je peux. Je sais pas si j'aurai le temps. Ah non, il m'a désarmé. Salopard. Salopard. Bien vu. Malin l'ennemi. Il m'a désarmé. Attends que je reprenne la balle de match. Alors, la flaque d'huile, elle est là. Lui, je vais le faire bien marcher dans la flaque d'huile. Allez, viens me voir. Viens me voir dans la flaque d'huile. Hop là. Non, ça marche pas. Bon. C'était pas évident. Alors, t'as cuit, mon vilain? Oui, il a le feu aux fesses, littéralement. Ah! Non, c'est pas la bonne... Non, c'est pas la bonne arme. Oh! Aïe! C'est lui qui m'a eu avant. J'ai pas eu le temps de réarmer mon bras. J'avais pas assez d'endurance. Aïe! Oh! M'a mis un coup dans les roues, bignol. Ah, ça brûle, hein, monsieur squelette. Ouh! Ah, qui lui tire dans le dos. Merde, Doom!
J'ai merdé mon mouvement. Je l'ai dans les dents. Aïe. Attends, l'autre commence à me... Déjà en face à face, j'ai du mal à le tenir en respect, mais alors si j'ai un loustique qui s'amuse à m'allumer, là, on va mourir, toi. Ah! Loupé! Je vais crever! Oh! Salope! Je rigolerais bien qu'ils s'entretuent, les deux loustiques. Allez! Il me pose vraiment problème. Voilà. Allez, reviens dans les flammes. Ah bah, au moment où ça s'éteint. J'ai pas l'air con. Oh 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 oh! Oh, il est chaud! C'était lui ou moi? Vide. Oh, j'ai l'impression... Alors là, ça me fait l'effet que le jeu me punit en disant tu as trop mal confronté ton ennemi, on te donne rien. Sincèrement, je m'interroge. Est-ce que c'est de l'aléatoire, ce qu'on appelle le Random Number Generator RNG? Ou est-ce que c'est un calcul dans le jeu qui dit t'as mis trop de temps et pas assez de coups pour le patater? Et du coup, t'es puni, t'as pas de gain. Je m'interroge. Ce jeu est cruel. Ce jeu est cruel. La 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 la. Il n'y a rien dans les affaires. Oh non. Oh, je vais changer d'arme pour l'occasion. Il n'y a pas ici. Ah bah. Efficace. Qu'est-ce que j'entends? Il y a une grille qui s'est levée. Ah! Non! Attends, je comprends plus l'air. Ah non, mais non, au secours! Je vais me faire déboîter. Non! Oui, mais lui, il est en armure. Ce massacre, ce jeu, c'est pas possible. Non, la chose en violet moi, je vais pas mourir parce que... Aïe, trop tard. J'ai voulu sauter pour m'extraire de la... du groupe et... Et non. Oh là 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 là. Obtenir justice corrompue, mais obtenir justice corrompue dans le jeu normal? Ce serait fou, ça, de revenir dans le jeu normal avec l'arc là. J'ai cru lire... Enfin, bien interpréter le... La lecture qui vient de m'être faite dans le... l'écran de chargement. C'était le ruissement de la belle. Mais c'était pas celle des Vosges. Ça n'empêche pas que ça sent le sapin pour moi. Voilà. Oh! Ah, bien! Oh, trop bien comment j'en suis débarrassé! Oh! Ibi! Attends. Ah, mais c'est à l'étage supérieur, c'est pour ça que je trouve pas l'hôtel de... Mais oui,
Oh là là, mais oui, je me suis fait tuer à l'étage supérieur. C'est pour ça que je suis en train de tourner en rond comme un ego. Eh bien, il y en avait des portails d'invocation. Là. Du coup, j'ai pas fait usage de l'arme, j'ai pas eu le temps. Du baril, hein, quand je parle de l'arme. Ouais, là, il y a l'hôtel à faire péter le truc. On pourrait se demander s'il n'y a pas un truc de caché au bout de la poutre. Non? Ah non, c'est une poulie. C'était une poulie au bout. C'est pas un truc caché. Les incantations du démon. Et la suite était en bas, si je dis pas de bêtises. Tiens, je vais sur le chauffage. Oh! Je réclame mon dû, je réclame mon gain. Inventaire plein. Alors, vous êtes sûr? L'arme a l'air d'être géniale. Alors, déposer. Oui. Oui. Et, ouais, je jette, hein, vous avez vu la sélection. Je jette les armes qui sont de basse qualité et qui sont pas colorées. Et je ne veux que des armes de qualité de luxe, s'il vous plaît. Sinon, je fais un caprice, comme une vilain mouflet. Oh, la sensation de vertige. Il y a l'effet de tanguer de gauche à droite, c'est très très bien fait. Ah non, je pensais pouvoir jouer avec le chandelier là et à mi-hauteur, mais pas du tout. Madame la marquise. Ah, il y en a des portes. Alors attends, là c'était pour aller en haut, donc je dois aller par là. D'accord, mais oui, c'est pas de là que je venais. Si? Ah si, je venais peut-être de là. Attends, je comprends plus. Ah non, ouvrir. Ha ha ha! Il n'empêche que c'est un cul-de-sac. Bon, ça a l'air d'être une mini-salle au trésor. Un semblant de KGB. Bonjour Tomouf, comment que ça va? Content de te voir. Encore merci hein, pour tout ce que tu transmets comme info. Et puis c'est sympa là, il y a le coup du jeu que tu m'as mis le accès au code source. Alors c'est dommage que je sois pas doué en programmation, ça m'aurait intéressé. Mais et puis que j'ai pas le temps pour ça non plus. Mais bon. Mais c'est apprécié, merci Tomouf. Alors de la fatigue, mais normal, tu sais, de semaine, et puis heure après heure, en faisant mumuse en votre compagnie, moi je prends du poil de la bête. Alors je vais peut-être éviter de fixer le sol et vous montrer une vue agréable du jeu pendant que je bois. Ah bah, content de dire que tu ailles bien, Tomouf. C'est cool, c'est cool. Attends, il y a un truc à escalader, ça, non? Ça m'intrigue. Me voilà intrigué. Il y a une pièce en haut, là, il y a un truc supérieur. Comment je fais pour y monter? Il y a un escalier ou c'est à moi de jouer le...
l'acrobate de mes deux là. Attends, puis ça qui est cassé, qui est en ruine. Oh là là. Bienvenue en enfer. Bienvenue en enfer. La 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 la. Oui, un escalier. Ok, ça me rassure. Ça... Attends, mais c'est un paquet que j'ai eu au sol. Ah non. Ça y est, une fois de plus, je prends mes rêves pour des réalités. Je suis victime d'hallucinations. C'est un scandale, messieurs, dames. C'est un scandale. Attends, mais je suis largué, là. Pourquoi je... Bah. Je suis revenu sur mes pas. Faut que j'aille où? Mince! Oh, mais j'arrive vraiment pas à maîtriser mes sauts. Non, si le levier est là, ça veut dire que je suis arrivé dans ce sens. Et il faut que j'aille par là-bas. Et une fois que je suis là, je vais où? Bah, c'est un cul-de-sac. Bah oui, la carte elle-même d'ailleurs, je serais peut-être bien de me guider à la carte. La carte elle-même me dit que c'est pas le... Wah, 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 wah. La grille ne s'ouvre pas, c'est peut-être parce que j'ai loupé un levier. Bah là on dirait que c'est cassé, mais je sais pas, j'ai pas de manche. Je peux pas armer le système de levier. Alors là, le jeu qui parvient à me faire passer pour un débile profond. Attendez. Tu me disais, non, ça c'est un truc bonus. Trouver Lord Ashmoroth, le démon d'Anath. Pourquoi je suis... Je peux pas remanipuler le truc, c'est... Ou alors... Non, on est d'accord, c'est des poulies qui sont suspendues. Ou alors... Ou alors, j'ai loupé un hôtel de... Un seau, un truc qui est scellé. Ah, merde, attends, je commence à me mettre à courir, là, parce que j'ai honte de ma... Mais non, mais c'est un cul-de-sac, ça c'est pas l'armoire de Narnia, c'est du décor, je peux pas interagir avec. Comment suis-je arrivé à être aussi nul à ce point là? Elle est où l'astuce? C'est pas. Non, c'est pas le mur délabré. Je m'y refuse d'y croire que c'est la seule. Oh, il est beau le soufflet. Soufflet de forge. Merde alors! Attends, il y a un truc qui a échappé à ma vigilance. Ou alors. Défaut de logique de ma part, mais. Il n'y a pas un manche pour ce foutu truc à levier? Alors, désolé du moment de flottement. Ça c'est pour me dire qu'il y a, voilà, il y a des armes. Ouais, c'est bien, j'ai une maille de combat, mais... Attends, je demande Joker à une interface qui va me dire où est-ce que je dois aller. Ou pas. Attends, il me rappelle qu'il y a des armes que j'ai pas chopées. Ouais, des paquets que j'ai oubliés. Ah, mais on terre plein. Il y a quelque chose que j'ai mal fait. Alors, je vais retourner à l'étage. Il est où l'escalier?
Alors, si vous avez une idée, hein, les spectateurs qui souhaitent interagir dans le chat, je vous cache pas que je suis client de la bonne réponse. On est bien d'accord que à l'étage j'ai fait le son. Mais oui, j'ai désactivé. C'est quoi le délire? J'ai pas loupé bêtement une touche d'interaction, du genre appuyer pour avancer. Bah merde. Non, non, la suite elle est là, il y a quelque chose que j'ai pas capté. Ça c'est une meule, ça va pas m'aider. Le système de levier est cassé. Le jeu veut me suggérer d'aller par là. Mais ici, où est l'interrupteur? Je vois pas de... Non, c'est une grille qui se pousse. Il n'y a pas de chaîne qui... Merde. Attends, je vais demander la carte dans son ensemble. Ok. Il n'y a pas de carte. Je vois. J'ai pas un truc télékinésie à faire. Non, j'ai plus de flèche. Alors je suis embêté parce que... Non, j'aurais pas pu manipuler à distance le levier avec, avec les flèches. Non, ils sont pas allés pousser le vis jusqu'à faire le coup de la pierre dans le mur qui a un bouton. Planter sa main dans le mur pour que ça déclenche un mécanisme. Nope. Il y a un truc en hauteur. Ah, ah, ah. Mais non, il y a des herses. Je peux pas passer. Et alors là, je me sens vraiment débile. Je pense pas que ce soit sophistiqué. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Non, je peux rien faire. Non, mais là c'est... Oh! Oh bah là, bon. J'y ai pas cru. Je sais pas. Je me suis mis... Je me suis mis une barrière psychologique. En fait, je me suis trop focalisé sur la carte en miniature en haut à droite. Et je pensais que c'était infranchissable. De tenir sans faire usage de potions. Je suis fou. Je me mets mes propres défis dans le jeu. C'est pas comme si c'était déjà difficile comme ça. Non, ce qui est regrettable, c'est que j'ai fait usage de toutes mes flèches et je n'en ai plus. Ce qui n'est pas cool dans mon cas. Bon, de toute façon, mon arme, elle va faillir. Là, je peux l'acheter.
Je vais prendre celle-là à la place. Si je bois pas un coup, y'a à boire, y'a à boire, y'a à boire. Non, à vue, je vois rien d'intéressant. Et c'est une cave à vin, enfin plutôt une cave à whisky, parce que lui il est au nom. Beware of what lies within the tombs. Alors, je vais pas l'affronter seul, il va venir avec son menu frottin, avec sa horde personnelle, Lord Asmorod. Va mourir, Ashmorag. Ashmorag, tu es pâché de mode. Accueillons notre invité. Ah ah. Oh. Oh yeah. Merde, j'ai mis le feu. Quoi? Mais comment qu'il peut voler avec une telle armure? Aïe. Oh, il fait mal le salopard. Bon, alors faudra que je change de technique. Oh la vache, salopard. Bonjour monsieur Heavy Metal. Ah, il fait un 360, c'est honteux. Bon bah il faut l'avoir à l'usure. Vache, il a une portée d'attaque quand il fait ça le salopard. Hop là. Ça sonne faux. Ah non, on ne me dit pas qu'il fait appel à des... Oh si, merde, il a des trucs fantômes, c'est dégueulasse. Aïe! Ah, il m'a cryogénisé le salopard. Je ne peux plus bouger, très peu. Wow, stylé! J'adore ses mouvements. Aïe! Putain, je vous fais toutes mes potions de santé avec lui. Oh, dans les roubignoles. La 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 la. Aïe! Ah non, il a recommencé. Ouf. Attends, il a esquivé mon coup. Bizarre. Je suis pas sûr de toucher à tous les coups et j'avoue que c'est injuste. Aïe, non, je suis trop proche, là ça va pas. Oh là 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 là. Là, je suis en train de me faire démolir. Eh ben voilà. Ouais, je vais recommencer depuis le début. Ah non, le jeu est indulgent. Il m'a accordé une étape de... Non mais rentre pas dans la petite cavité là.
foutu. Si je suis au corps à corps contre lui, je suis foutu. Ouais, putain. Ça sent le feu. Oh là, c'est porté. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, monsieur. Loupé. Aïe. Ouf. Oh merde, mon arme est brisée. Bon bah je la jette. Ah mon dieu, change. Witch. Même la potion de vie qui ne me réchauffe pas. Alors qu'il a jeté un froid. Aouh. Alors il y a une touche à mon grand torque que je n'utilise pas qui est l'esquive latérale. Il m'aurait bien aidé. Je crois qu'il commence à être vénère. On monte par palier, là il se déchaîne de plus en plus le chevalier là. S'il est à la moitié de sa vie, qu'est-ce que ça va être quand il va être dans son dernier tiers ou dernier quart de vie? Ça va être très très violent. Ouch. Pas sûr de lui faire des dégâts. Oui, merde. Ah, j'ai vu son cône. Enfin, j'ai attention sur le cône dans la petite cavité. Aïe. Oui, il a fait son tir biogénique, il m'a loupé, c'est mal. Il m'a loupé, c'est mal. Ouch. Oh, il a poussé l'arbin. Aïe. Non, j'ai plus de pêche. Je suis pas sûr de l'entailler quand je fais ça. Ah, c'est bon, c'est ça. Je dis des bêtises, je fais bobo. Oh là 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 là. Ah, il a bouffé presque toutes les potions. Faut qu'il arrête, le monsieur. Là. Aïe! Violence! Violence! Comment ça, il était juste pour moi? Oula! Il fait une nouvelle attaque! C'est quoi le délire? Il est de plus en plus vénère à la frontière de la mort. Oh, cette attaque de mêlée. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'arrête d'être avachi dans mon siège là parce que ça devient ingérable. Qu'est-ce que c'est que ce boss? Arrêtez, mais c'est abusé. Ah non, j'ai pas le temps. Alors, il est stylé, hein, comme boss. Mais alors, faut le farcir. Hein. Dur. Dur, dur, dur. Ah, qu'est-ce que c'est que cette attaque? Il a repris le poil de la bête. Il a repris le poil de la bête. Ah, il a esquivé, il a esquivé. C'est honnête, c'est honnête. Yo 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 y
je sais pas si... Oh là là, la déroulée qui m'a mise. En plus, je partais en tournis parce que... J'ai plus sens de ces attaques. Hein. Aïe. Yalos. Ouais, je fais pas souvent mon attaque, mais quand je touche, je suis idem. Ah ouf. Bon, on peut dire qu'il a eu un droit de réponse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais je suis posé en même temps. Mais où est-ce qu'il est? Il me donne vraiment le tournis. Ah non, faut que je change de technique de combat. Non! Ah, c'est l'arbin de mes deux, il me bouffe, c'est l'arbin. Il peut s'attaquer lui-même. Identifier son attaque. Ouf. Alors, mon arme est foutue. Oui, il me reste la grosse hallebarde, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, j'ai plus que la grosse hallebarde. Détaler comme un lapin autant que je veux. Voilà. On y croit. À l'usure, je vais finir par l'avoir. Ça y est, il a fait me cracher du feu derrière. Oh non, j'étais en train de boire ma potion. Aïe 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 aïe. Ouais, oui, du coup, à chaque fois qu'il arrive à me tuer, il récupère des merdes. J'avais cru voir un truc sur la dame après. Enfin, si on peut pousser une fenêtre. Plus son attaque qui me déstabilise. Oh là là, il va me bouffer toutes mes potions. Et si j'ai toutes les armes cassées, je fais comment? C'est pas au point à nu que je vais l'avoir, lui. Oh. Oserais-je dire que trop de violence tue la violence? Pas sûr qu'il l'ait complètement esquivé, mon attaque. Ow! Oh, 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 oh. Bobo. Ça y est, recommence son truc. Il y a la foi, je crois. Je vais lui faire le bobo. Il m'a bien fait le bobo. Oh, j'ai hâte d'en finir là, je suis venu pour en avoir marre. Où est-ce qu'il est? Oh, j'en ai marre. Va mourir. Quickly, destroy the skull. Stop! You will doom us both.
Mais attends, mais mon inventaire il est plein. Fandor Infernal. Ouais, maillet de combat. Oh, ce jeu. Alors. Voilà. Il est où le crâne? C'est où? Ah, c'est là-bas. Eh oui, c'est derrière le crâne. C'est derrière le trône, pardon. Lâchez le crâne. Bat mem netsa. Oula. You saved us. You foolish creature. You've destroyed the only link between this place and your realm. We are now both trapped in the void between the worlds. But you are no hero, creature. Baal has many worshippers, and the cycle has already begun. You are just delaying the end. I will rebuild my power. And you... you will suffer. Épilogue. La défaite de Lord Asmoroth avait suffisamment affaibli Anat pour que Lucius puisse purifier et détruire le crâne du roi, seul lien entre le temple d'Anat et le royaume des humains. Vous avez empêché Anat d'invoquer Baal, mais elle est loin d'avoir dit son dernier mot, et son objectif ultime reste inchangé. Poursuivez le combat et déjouez ses noirs desseins. Merci d'avoir joué à la deuxième mise à jour scénaristique d'Elaed. Nous espérons qu'elle vous a plu. Bah, le boss était un peu chiant sur la longueur, mais ses mouvements étaient stylés. Je pense que vous en conviendrez avec moi. La classe. Pendant que nous planchons sur une prochaine mise à jour, nous vous encourageons à découvrir les autres activités de... Ouais. Complissez les primes pour recevoir de nouvelles récompenses et revenez à l'épreuve de mode raid. Ah, il y aurait donc une suite à... dans le futur où ils vont développer un autre chapitre. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Bah, ramasser la prime. Je veux tout. C'est énorme. Parce que l'idée des raids où t'y vas bourrin, peut-être que je le ferai dans très longtemps en mode défouloir, mais je vais pas le faire là, certainement pas. Mais d'accord, donc plus tard il y aura une suite normalement du... Ouais, je vais revenir à la tour du tout début. Du coup, je vais sauvegarder hors de la borne infernale. Et la prochaine fois que je rejouerai, dans 15 jours, je crois, à Dying Light, bah, je reviendrai en fait à la quête principale, quoi. On va revenir au monde moderne. C'était sympa. C'était sympa, le coup de Elred. Je le trouvais un peu cher plein pot, le contenu additionnel, mais bien, avec le recul, je reconnais qu'il valait honnêtement son prix. Bon, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je reviendrai au monde réel une... Enfin, dans ce jeu, évidemment, on se comprend ultérieurement. Mon dieu, je me marre. Je me marre, je me marre. Oui, 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 oui. Là, j'aime bien la musique du générique. Vous avez dû remarquer, depuis que je me suis rasé court la barbe, j'ai le tic, j'aime bien la sensation
de sa gratouille là au niveau du menton. Et je peux pas m'empêcher, si j'ai développé un toc abominable. Et vous voyez, il faudrait presque que je sois puni, que je sois menotté au niveau des mains, que j'arrête de me tripoter le menton. Voilà, voilà, j'ai une vie passionnante. Ah, oh mon dieu.